Et salut, salut! Donc, me voici pour la suite de mon arène avec le druide. C'est soit re si vous avez regardé les deux vidéos l'un après l'autre, soit ben, rebonjour si vous l'avez pas regardé le même jour. Enfin bref, voilà, ça on s'en fout, c'était le truc qui servait à rien, mais que j'avais envie de dire. Donc voilà, direct, rentrons dans le vif du sujet. Pour un combat. Oh, allez, 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 allez. Et la roue tourne, la roue tourne. Adversaire convenable. Convenable. Oh, j'aime pas Garrosh. Hurle l'enfer. Je dois protéger. Carte supplémentaire, j'aime bien ça. Sauf que j'ai que des cartes de merde. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça, je mets ça, c'est parfait. Ah, et en plus j'ai la pièce. Cool! Et la pièce! Oh! Oh, ça c'est Ubers. Fin du tour. Je vais juste faire ça. Oh, je ne suis pas du matin. Alors, elle n'est pas du matin, l'autre en face. Sauf que j'en ai rien à foutre. On va jouer ça. Faut qu'il survive, mais il va pas me laisser le survivre. Il va le suicider avec mon son diablotin à tous les coups. À moins qu'il joue très n'importe comment. Voilà. C'était sûr. Vous appelez ça une arme? Je pioche une carte. Alors. Donnez-moi une quête. Alors là, faut qu'il suicide ses persos dessus. Et s'il les suicide pas, ben c'est plutôt cool parce qu'au prochain tour. Bon, ça c'est dommage. J'ai pris très cher. Ok. Mais il n'est pas protecteur. J'espère que vous aimez mon invention. Hop là. Job done. Là, je vais prendre cher à ce tour-là. Ça va me permettre de faire ça, plus ça au prochain tour. Pour le Norfandre! Oh, 4. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Suicide. Ça me va. Ok. Ok. Donne au serviteur adjacent. Ok. Alors là, je suis un peu perplexe parce que si je fais rien, je suis mort. Sauf que là, je suis un peu bloqué.
Donc. L'une d'argent ne tombera pas. Je fais pas le combo que je souhaitais. Mais ça va être plutôt un combo intéressant. Je vais au moins tuer deux de ces gars. Ce qui est chiant, c'est que du coup, il va m'attaquer d'abord avec celui-là et après avec celui-là. Ah, quoique non. Il est obligé d'en sacrifier encore deux. Là, faudrait qu'il attaque. Ah, il va attaquer avec son arme. Plutôt bien joué. Il fait super méga mal. Oh, ça sert à rien celui-là. Ouais, donc du coup c'est mort, j'ai perdu. Quoique. Alors 4, 5, 6, 7, donc. Ça va se lier. Je ne dirai rien. Mon bouclier. Job's done. Alors. Comment il va pouvoir jouer ça? Il va me tuer là. Ouais, je survis au moins un tour. Oh, c'est cool ça. Oh merde. Voilà. Et j'ai perdu. Eh hey, putain, combo qui vient pas quoi. Mais son Garrosh est puissant. Hein. Son Garrosh est bien puissant. C'est con, je perds. Je perds. C'est vraiment dommage. Mais j'ai rien pu faire. Moi, tu es en 8 minutes. Bah, il m'a tué en 7 tours. Malfurion contre ah, Rexxar. Que la traque commence. Je dois vous protéger. Commencer. Je vais me passer de celle-là pour l'instant. Ouais, allez go. Bon, écoute. Hop là. Pour la nature. Job done. Ça pour piocher une carte, mais lal. Okay. Job done. Hop là. Prêt à partir. Ok. Ok, ok. On va bien voir ce que ça va donner. Est-ce qu'il va me le tuer? S'il me le tue pas, ça peut être très intéressant au prochain tour. S'il me le tue, bah tant pis pour moi quoi. Normalement, il a de quoi me le tuer. Ouais, voilà. Alors, je suis déjà à 5. Quoi faire? Ça, plus ça. Pour la nature. Okay.
bête. Très bien ça. Voilà. Choix perso. Confère 2 PV et progression. 2 PV, ok. Charge. Les chiens sont de sortie. Oh. Bien joué. Ok. Donc 5, 6, 7. Jouer ça. J'espère que vous aimez mon invention. Ah, cool. Hop là. Mon ça. Bouclier pour Argus. Hop là. Mais je suis con. Oh, je l'ai joué au mauvais Laissez côté. Laissez à ce serviteur un tour pour se préparer. J'ai joué du mauvais côté. Bon, il me tuera pas au tour prochain. Comment je vais jouer? Il m'affiche que 4 points de dégâts. Bon. La justice prévaudra. Comme ça, quoi qu'il attaque avec lui, il s'auto-détruira. Il s'auto-détruira. Je suis con, je l'ai joué trop vite, je voulais la jouer entre, il aurait eu plus 1 et j'aurais tué sans mourir. Mais voilà, je jouais trop rapidement. Et tu es en ego. Voilà. Oh là là. J'ai pas de serviteur. Hop là. Où dois-je frapper? Voilà. Provoque. Prêt à l'action. Et la nature. Dans la brèche. Job done. Voilà. Alors là, ça peut être intéressant si jamais ils font pas trop mal. Ah putain. Ok, super. Alors, ça me fait chier, je ferai que je l'essaye, juste pour savoir si ça me comptabilise la carte que j'ai ou pas. Que faire? Dans la brèche. Pour la nature. Hop là. Il sera obligé d'utiliser celui-là pour me le tuer. Je vais tester ça et je vais savoir comme ça. Non, je le garde. Je ne sais pas si je pioche avant que ça soit le début de mon tour ou c'est le début de mon tour et je pioche après. Parce que du coup, si jamais j'ai une carte bête qui apparaît, c'est cool. Sinon, ben. Putain, mais c'est trop cheaté ça. Trop shit. D'accord. Je suis trop mal. Putain.
Que faire ? 3. Bon ben. Pour la nature. Bon, je pense que j'ai perdu. Quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze. Faut pas chercher longue défense. Ça. Il me faudra un balayage. Oh bah voilà. Allez, ils ont tous charge. Putain, j'aurais noobé sur cette arène. J'ai fait un super premier match et. Et puis de la merde derrière. Et puis de la grosse merde derrière. Bon. On va quand même ouvrir les récompenses ensemble. 5. Oh, un paquet quand même. 10 pièces d'or. 5. Et 5 pièces d'or. Alors, bon, on va ouvrir aussi l'ouverture des paquets, du pack avec vous. Alors, quelle carte? Alors, c'est ma chérie qui a choisi. Croisée écarlate, toute classe. Un bouclier divin, en 3, c'est une 3-1. Pas si mal. Alors là, ceci, c'est moi qui choisis. Ah, une rare. Confère provocation aux serviteurs adjacents. Cri de guerre, cool. Ma chérie qui choisit. Cri de guerre, rend 3 points de vie. Non, pas si mal, c'est un charme. Allez. Druide de la greffe. Ça, c'est celui que je me suis servi. Il est pas mal, celui-là. Et dissimuler. Confère camouflage à vos serviteurs jusqu'à votre prochain tour. Oh, c'est pas mal, ça. Parce que ça le met à tout le monde. C'est spécialement voleur, mais... Et voilà. Alors, 2. Nouveau. Oui, c'est normal, c'est Paladin. Soyou Paladin. Ça, j'en ai qu'une fois. Deux fois. J'ai eu une fois en neutre. Faut que je regarde parce que je crois qu'on peut mettre maximum 2 de cartes. Mais du coup, quand on en a 3, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut les dégager. Bon. Création. Alors. D'accord, je peux créer ça. Eh, ça monte les cartes que j'ai déjà. Ok. Donc après, si je veux créer celle-là, ça me coûte 400. Il n'y en a que 45. C'est normal, c'est une épique. Ok. Bon, ça peut être intéressant aussi, ça, pour créer des cartes facilement. Scénarius. 1600. C'est une légendaire. Ok. Choix des armes. Confère +2/+2 à vos autres serviteurs ou invoque 2 tréants 2 avec provocation. Ok. 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 Bon.
Je fais que rien créer pour l'instant. Et puis bah, il va falloir que j'aille faire mes quêtes alors. Faut que je fasse deux victoires avec un guerrier, donc il va falloir que je me crée un deck guerrier pour récupérer au moins 80 pièces. 80 pièces. Putain, j'ai noobé en arène. Ça m'énerve. Hop là. J'aime bien la petite illustration qu'ils ont fait. Allez, on en jette un. On en jette 5 du coup. Alors, on en jette 8. Et là, on en jette tout plein. C'est mort. C'est mort. Bon, en tout cas, moi, je vous laisse là. Du coup, je vais un peu fail. Cette arène, j'ai fait qu'une victoire. C'est le plus mauvais que j'ai fait. Je crois que j'y suis allé 3 fois. J'ai fait une fois deux, une fois trois victoires, et là une seule victoire, quoi. Pour 9 défaites, c'est pas bien en fait, je gagne plus facilement en partie qu'en arène en fait. Enfin bref, je vous souhaite tout ce qu'il y a à vous souhaiter, et puis bon visionnage, like, enfin j'espère que vous avez passé un bon moment à me regarder, commenter, liker, et puis voilà, à la prochaine, au revoir.